Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui prend la direction de l'Hippodrome d'Auteuil en compagnie des sauteurs ce jeudi 13 avril. Le prix Rosornaud, une épreuve assez classique, hein, ce prix Rosornaud. Bien entendu, c'est un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 5 ans et plus, 3900 mètres à parcourir. Voilà, sur les balais, 16 concurrents au départ, voilà, 110 000 euros, c'est une listed race, hein, c'est une course qui est assez importante. Et c'était pas évident de faire un choix. Bon, il y a un ou deux concurrents qui présentent pas mal de garanties, comme ce numéro 14, hein, Rock'n'Roll, que j'ai retenu en tête de ma sélection. Bah, Rock'n'Roll, c'est simple, il a remporté une deuxième épreuve l'avant-dernière fois. Et puis dernièrement, je pensais pas qu'il était capable de confirmer, hein, avec le poids, mais il l'a fait de belle manière en terminant deuxième du prix prédicateur derrière New President. C'était d'ailleurs sur ce parcours, hein, c'était il y a un peu moins d'un mois. Et c'est vrai qu'il se comportait extrêmement bien. Alors New President a été pénalisé de 5 kilos, donc voilà, l'avantage, le rapport de force est bien inversé maintenant. Voilà, un cheval qui est vraiment en forme, Dylan Ubeda, qui lui sera associé. Il est bien placé en bas de tableau, il a prouvé qu'il avait encore de la marge, qu'il aimait ce parcours. Bref, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, et c'est vrai que jugé sur sa dernière sortie, c'est logiquement celui qui présente le plus de garanties, même si voilà, une course reste une course. En tout cas, moi je pense que sa candidature présente pas mal d'avantages, et voilà, si ça se passe bien, je pense qu'il est pourquoi pas même capable de s'imposer. C'est pour ça que je le retiens en tête, hein, bien entendu. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 5, hein, Flash Davier. Alors Flash Davier, c'est une jument de 5 ans qui va affronter ses aînés, hein. Elle avait remporté un handicap l'an passé face aux seuls 4 ans, hein. Elle a même d'ailleurs fait l'arrivée d'un quintet plus face aux 4 ans sur ce même parcours l'an passé. Maintenant, sa valeur est bien moins avantageuse, mais bon, elle a prouvé pour sa rentrée au putois sur l'hippodrome de Compiègne qu'elle était capable de bien faire à cette valeur. Alors voilà, cette fois-ci, il y a les aînés, il y a les mâles qui sont âgés, les mâles d'âge, donc c'est pas la même histoire, mais bon, c'est une jument qui a de la qualité, qui je pense est capable de regarder droit dans les yeux les mâles et ses aînés. C'est pour ça que je la retiens aussi haut. À mon avis, vu la rentrée qu'elle a effectuée, elle est capable d'afficher des progrès, pourquoi pas même de remporter ce handicap. C'est à voir, mais en tout cas, bah, je pense que c'est une des prétendantes au sacre. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 11, hein, Chichi de la Vega. J'ai envie de dire ce bon vieux Chichi de la Vega, hein, même s'il n'a que 6 ans, on le connaît bien. Je crois que c'est son 16e ou 17e quintet. Enfin bon, c'est un cheval qui est bien connu à ce niveau de compétition. Il adore ce parcours, hein, 3900 mètres. C'est sa cam. Dernièrement, 4e de la course référence. Il courait très bien, malgré une petite faute, hein, dans la phase finale. En tout cas, c'est un cheval qui est bien plus à son affaire sur 3900 mètres que sur 3600 mètres. La dernière fois, c'était 3900 mètres. Il a prouvé qu'il était capable de remettre les pendules à l'heure. Et c'est vrai que, voilà, je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher. C'est un cheval qui va faire sa course. Pour la victoire, faut que ça se passe bien. Je suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre. Mais en tout cas, il devrait répondre présent et terminer au moins 3-4e. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 4, hein, New President, bah, le vainqueur de la course référence. C'est difficile de savoir de quelle marge il dispose, hein. Il a été longtemps absent, son début d'année est excellent, hein. À part une fois, il a été arrêté, il a vraiment réalisé de grandes performances, et dernièrement, il s'est imposé vraiment avec la manière. Maintenant, il a reçu 5 kilos de pénalisation, c'est vraiment très très lourd comme handicap, mais bon, c'est un cheval qui a l'air bien mieux en allant de l'avant, et puis pénalisation de 5 kilos, mais bon, au final, il a même pas 70 kilos sur le dos, c'est pas forcément énorme. Alors par rapport à d'autres rivaux, il est bien moins avantagé, mais je pense qu'il est capable de porter un tel poids, et s'il utilise la même tactique, il est pourquoi pas capable d'aller loin. Je pense pas qu'il soit capable d'aller au bout, bah, avec 69,5, mais je pense qu'il est quand même capable de réaliser une belle performance, et pourquoi pas de terminer 3-4e si ça se passe bien. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 7, un Garrick Harmony. Bah, c'est un cheval qui est tout neuf, hein, dans cette discipline. C'est vrai qu'on l'a vu en plat en début de carrière, que ce soit à l'âge de 3 ans ou de 4 ans. Et d'ailleurs, je crois qu'il a même fait l'arrivée d'un quintet par le passé en plat. En tout cas, depuis qu'il a été orienté sur les haies, c'est impressionnant. 4 courses, 4 podiums, dont 2 victoires. Dernièrement, c'était ses premiers pas sur l'hippodrome d'Auteuil. Ça s'est bien passé. C'était pas la même distance, je crois que c'était 3600 mètres. En tout cas, c'est un cheval
qui va affronter ses aînés et qui va débuter dans cette catégorie. C'est toujours deux petites inconnues hein, pour un cheval de 5 ans, surtout un cheval qui est aussi inexpérimenté, en tout cas en obstacle. Maintenant, c'est un cheval qui a de la qualité, qui a des moyens. Je pense qu'il est capable de réussir 66,5 kg. C'est pas une lourde charge. À mon avis, c'est vraiment un poids qui peut lui permettre de réaliser lui aussi une performance de choix et pourquoi pas de très bien faire d'emblée dans cette catégorie face à ses aînés, pardon. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 6, hein, Mogic. Je me suis longtemps gratté la tête avec celui-là parce qu'il a montré de la qualité. Il avait terminé cinquième hein, d'une des courses références. Voilà, c'était ici le prix Beugnot en battant notamment Chichi de la Vega. C'était sur 3600 mètres. Là, dernièrement, il est arrêté hein, sur 3900 mètres. Du coup, je suis un petit peu dans le doute. Mais bon, il a été baissé d'une livre, il me semble, suite à son échec. C'est un cheval de François Nicole. François Nicole, on connaît, c'est un homme habile. S'il insiste dans cette catégorie, c'est qu'il le pense capable de réussir. En tout cas, moi, je l'ai repris en confiance pour une place, hein, plutôt. Hein, je l'ai retenu en sixième position, à mon avis. Mieux, ce sera difficile. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 10, Philippe. Alors lui, c'est peut-être un outsider très amusant. Pourquoi? Parce qu'il a fait une très belle rentrée. Il a fait une très belle rentrée récemment sur les haies. C'est un cheval qu'on a également vu s'illustrer en steeple. D'ailleurs, l'année dernière, il a terminé deuxième d'un quintet plus disputé à Compiègne. Hein. Le même quintet, le prix de La Rochelle, qui s'est disputé il y a quelques jours. Du coup, le fait qu'il ait opté pour ce quintet plutôt que le prix de La Rochelle, je me dis peut-être qu'il le pense capable, son entraîneur, de mieux faire sur ce quintet dans les haies. Peut-être que le temps de récupération était beaucoup mieux également. En tout cas, je trouve que le fait de le voir présent dans ce quintet, c'est un signe de méfiance. Moi, je trouve vraiment qu'il a tout du profil d'outsider très séduisant. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le numéro 15, hein, Iji, une jument de 6 ans qui a tenté sa chance dans les gros handicaps cet hiver, notamment, je crois, c'était du côté de Pau ou de Cagnes. En tout cas, je vais m'en assurer. Je crois que c'était du côté de Pau. C'était pas brillant. C'était en steeple, alors peut-être que c'est plus facile en haie pour elle. Oui, voilà, c'était en steeple du côté de Pau. Maintenant, en haie, regardez, hein, elle a pris une deuxième place dans handicap du côté de Pau. C'était vraiment pas mal du tout le 13 février. Dernièrement, une petite course, un petit peu de remise en route du côté de Fontainebleau. Et voilà, je pense qu'en bas de tableau, c'est vraiment un outsider également séduisant, un petit peu à l'image du numéro 10, Philippe, même s'ils n'ont pas les mêmes profils. Je trouve vraiment que cette jument de 6 ans est capable de brouiller les cartes et pourquoi pas de surprendre à une cote spéculative. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 13, Hopeful As. Hopeful As qui vient de faire une très belle rentrée, hein. C'est vrai qu'il avait été arrêté quasiment un an après un échec dans cette catégorie. Il est en 61 de valeur, il a déjà fait l'arrivée en 61, là il est pris en 59. Du coup, valeur intéressante hein, pour ce Hongrois de 5 ans. Entraînement de Arnaud Chaillet-Chaillet. Moi je m'en méfie après une bonne rentrée comme ça. C'est vrai que je l'ai retenu en regret parce que j'ai quand même besoin qu'il me rassure dans cette catégorie. Mais vu la rentrée, la réapparition qu'il a réalisée, il est pourquoi pas capable lui aussi de réaliser une bonne performance. C'est ouvert et c'est une des nombreuses possibilités dans ce quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 Rock'n'Roll que j'ai retenu en tête devant le 5 Flash d'Avier. En troisième position, le numéro 11 Chichi de la Vega. Quatrième, le 4 New President. Le 7 Garrick Harmony en cinquième position devant le numéro 6 Mougic. En septième choix, le numéro 10 Philup. Et enfin, en huitième position, le numéro 15 Iji. En cas de non partant, le 13 Hopeful As. Un conseil de jeu, bah écoutez. Le 14 Rock'n'Roll, pour moi, présente beaucoup de garanties. Deuxième de la course référence, il est compétitif à ce niveau sur ce parcours. Vraiment, rien à lui reprocher. Je pense que c'est vraiment le point d'appui par excellence. En deuxième point d'appui, je dirais le numéro 5, un hein, Flash d'Avier que j'ai retenu deuxième. À mon avis, cette jument de 5 ans est capable de regarder les mâles droit dans les yeux et ses aînés également. Et puis le numéro 11, Chichi de la Vega. Véritable modèle de régularité, impressionnant de régularité sur ce parcours. Moi, j'aime beaucoup sa candidature, même si, à mon avis, pour la gagne, ce sera dur. Pour moi, c'est un coup sûr dans les 5 premiers. Donc voilà, 14, 5 et 11, 3 bases qui me semblent présenter pas mal de garanties dans cette compétition. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire avec un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec 6 mois d'abonnement à gagner sur le site turf-fr.com. En attendant, moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle émission. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.